L'histoire de la gendarmerie aurait commencé, selon certains, au Moyen Âge, en 1190, avec la création des sergents d'armes, dont la mission originelle est de garder le roi. Pour d'autres, elle est née pendant la guerre de Cent Ans, dans le but de connaître les crimes et maléfices commis dans les armées par les gens de guerre. Ses premiers ancêtres sont la connétablie de France et la maréchaussée. Le connétable déléguait ses pouvoirs à des maréchaux qui, eux-mêmes, s'appuyaient sur des prévôts. Il s'agissait de forces militaires chargées de l'ordre public. Les effectifs restent relativement faibles. À la veille de la Révolution, il ne s'élève qu'à un peu plus de 4000 hommes pour 26 millions de Français environ. La maréchaussée jouit d'une grande popularité, les cahiers de doléances la qualifiant souvent de corps le plus utile de la nation. Ce n'est peut-être pas le cas à Gordes, qui profite peu de ses services et n'aura guère de moyens pour combattre la violence qu'a fait naître la Révolution, pour constater les délits, en établir la preuve, en identifier les auteurs ou exécuter les décisions de justice. La création d'une garde nationale parisienne le 14 juillet 1789 et la généralisation des gardes, y compris dans l'espace rural, permettent d'établir une légion à Apt, composée de 3 cohortes et de 30 compagnies, dont 3 dans le canton de Gordes, une de grenadiers, 2 de fusiliers. C'est le 16 février 1791 que la gendarmerie nationale succède à la maréchaussée. Proposée dès 1791 par le directoire du district d'Apt, la création d'une gendarmerie à Gordes ne devient effective, après quelques autres tentatives avortées, qu'en 1872 dans des conditions particulières de casernement. Le capitaine de la gendarmerie royale du département estime en 1817 qu'il est impossible que des brigades de 6 hommes sur la ligne, il s'agit des brigades d'Avignon, Bédaride, Orange et La Palue, puissent suffire aux services journaliers des escortes des diligences, des courriers, des fonds publics, des translations continuelles de prisonniers, des correspondances et à la surveillance que l'arme doit apporter dans toutes les ramifications de son service. Il a donc fallu établir des détachements intermédiaires pour empêcher les hommes et les chevaux de succomber, en tirant des hommes des brigades de l'intérieur. Mais ce mode s'est révélé vicieux, ces hommes abandonnés à eux-mêmes n'étant surveillés par aucun sous-officier. Ils ont négligé leur tenue, leurs armes, leurs chevaux et même leur service. En un peu plus de 20 ans, à partir de 1840, le nombre de brigades de gendarmerie du département s'accroît considérablement, passant de 19 à 32, une évolution dont bénéficie amplement l'arrondissement d'Apt, qui, de 5 au début, en compte 9 à l'issue de la période. Gordes dépend toujours de la brigade à cheval de lumière. Création de la brigade de gendarmerie de Gordes. Depuis le 1er janvier 1870, Marseille est le chef-lieu de la 9e légion de gendarmerie, composée des compagnies des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. Le canton de Gordes est composé de 8 communes, comptant 8000 habitants. La brigade à cheval dont il dépend est suffisante quant au nombre de ses hommes. Mais elle se trouve à l'extrémité du canton, à Lumière, localité attachée à la commune de Goult. Il n'y a guère que plus de 20 km à parcourir pour se rendre à l'autre extrémité, ce qui n'est pas une distance considérable pour un cavalier. Mais elle serait sans doute mieux placée à Gordes, chef-lieu et centre géographique du canton. En 1872, la décision est enfin prise de fixer une brigade de gendarmerie à pied à Gordes, couvrant outre le chef-lieu, les communes de Joucas, Lioux et Murs. Son existence est fortement menacée au lendemain de la Seconde Guerre, exode et destruction ayant provoqué en grande partie la désertion du village. Accueillie dans de nouveaux locaux en 1985, elle est confortée en 2003 par la mise en place de la communauté de brigade. Ayant jugé nécessaire la construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie, le conseil municipal de Gordes adopte, dans sa séance du 7 septembre 1983,
l'avant-projet détaillé et le dossier de consultation des entreprises. Le permis de construire est délivré le 12 mars 1984. Les travaux commencent le 2 avril 1984, sont définitivement réceptionnés le 28 mars 1985. Et les gendarmes occupent les nouveaux locaux à compter du 1er mai 1985. Ces travaux s'accompagneront de l'aménagement d'une place publique et d'une aire de stationnement. Plus tard, des travaux d'extension décidés par le conseil municipal du 30 octobre 2008, commencés le 1er septembre 2010, permettront de créer deux logements supplémentaires dont il sera pris possession à partir du 15 juin 2011. Fin 2001, l'effectif de la brigade de Gordes est de 6 militaires. L'arrivée d'un septième homme au printemps complète l'effectif total de cette unité. Une réorganisation nationale de la gendarmerie a lieu en janvier 2003. Elle se traduit notamment par la création des communautés de brigades et des brigades territoriales autonomes qui représentent les unités fonctionnelles élémentaires de l'institution. Les communautés de brigades regroupent plusieurs brigades de proximité sous un commandement unique. Les brigades de proximité et les brigades territoriales autonomes qui représentent les unités fonctionnelles élémentaires de l'institution. Les brigades de proximité et les brigades territoriales autonomes garantissent sur l'ensemble du territoire la présence de la gendarmerie au plus près des besoins de la population. Le 1er septembre 2003 est créée la communauté de brigades de Gordes. Elle regroupe les brigades de Gordes et de Beaunieu avec un effectif de 17 militaires sous le commandement d'un adjudant. Dix gendarmes sont basés sur la commune de Gordes et 7 à Beaunieu. Ce nouveau mode de fonctionnement permet d'avoir sur le terrain un effectif plus important et ainsi de gérer plus facilement les événements. Depuis le 16 août 2015, la communauté des brigades de gendarmerie de Gordes et Beaunieu est commandée par le major Franck Lefebvre. Les deux brigades sont composés de 16 personnes. Le nouveau commandant de la brigade de Gordes est l'adjudant-chef Stéphane Lerand depuis le 1er juillet 2015. Un coup de voiture, il donne l'air.
Thank you.
de saisir toute personne sous une surprise en flagrant délit. Bon, nous sommes ici pour fêter le départ de Jean-Marc Marcinaski, qui nous quitte pour aller rejoindre la compagnie DAP et qui fera fonction de chauffeur secrétaire pour commander en compagnie. Il a voulu me le prendre, vous voulez garder, il a voulu me le prendre. Bon, qu'est-ce que je peux dire de vous, Arcy, c'est que c'est avec un grand regret que je vous vois partir. Hein. Et c'est une forme de cœur joli, aussi bien vous que votre épouse. Hein. Il est difficile de faire un discours, pas d'adieu, mais de départ. Pour un deuxième gendarme dans la même unité qui part pour rejoindre la même unité. Effectivement, il est exceptionnel de voir quitter trois gendarmes de la même unité, Arcy, Brun, je ne parle pas de la juge en chef qui est parti, bon lui il va y avoir des gens civils, et Cicero, non. Et Tigro. Pardon, 4, j'avais rajouté 6 0, 4 de la même unité, brigade à 6, pour rejoindre la compagnie d'armes. Et par des mystères, d'évitation, ils se retrouvent tous les 4, soit au GC et compagnie, soit à la brigade des recherches. 3 à 8 ans sont passés dans cette brigade. On nous l'avait dit à beaucoup de gens, on ne pensait pas quitter ces lieux. Et lorsqu'on vient à Gordes, on s'y plaît. Aujourd'hui, bon, si on quitte ce village, disons c'est pas un adieu, c'est parce qu'on ne va pas loin. Je remercie vraiment toute la population qui est très sympathique. On est accueillis et...